Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette encore très belle journée aujourd'hui, un été qui ne veut pas finir. C'est pas le cas pour tout le monde malheureusement aujourd'hui. On a des collègues en Caroline qui vivent la tempête Florence. Donc on aura la chance d'en parler dans quelques instants avec notre premier invité. Juste avant de commencer, peut-être juste un petit rappel, si vous désirez notifier par courriel la tenue des diffusions quelques jours à l'avance. Donc, j'envoie des rappels le mercredi et le vendredi matin. Donc, ça vous donne, laisse le temps de vous préparer. Donc, vous m'envoyez un courriel, au courriel qui est en haut ici, mlessard@redhat.com. Dans le sujet, vous mettez abonnement à Twitch et je vous envoie, je vais vous envoyer régulièrement à chaque fois que je vais faire une émission. Dans la semaine que je vais faire une émission, un rappel. Et ce qui est le fun, c'est que je mets un petit peu plus de contenu dans le rappel que ce que je diffuse sur les médias sociaux. On est limité en caractère, spécialement sur Twitch. Donc, j'invite à m'envoyer un courriel. Donc, ça faisait drôle, on n'avait pas de son ce midi. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai eu un petit problème technique. En fait, c'est la première fois que j'ai un invité, Eric, qui est avec moi aujourd'hui. Salut Eric, ça va bien? Oui, bonjour Michael. Merci pour l'invitation. Oui, mais merci à toi de te joindre à nous ce midi. Très apprécié. Donc, c'est ça ce que je me suis aperçu, Eric, pendant la première fenêtre, là, j'essayais de mettre de la musique et Skype prenait vraiment le contrôle du son de mon ordinateur. Donc, j'arrivais pas à sortir de la musique. Donc, je vais travailler là-dessus pour le prochain épisode, à essayer de corriger ça. Mais comme c'était une première, on n'avait pas testé ça. Hein. Cette semaine, en passant, moi et Eric, on s'est testé une couple de fois. On n'a pas eu de problème technique, mais là, on n'avait pas testé la musique. Donc, je vais prendre ça en note. Donc, Eric, tiens, pourquoi pas te présenter, nous dire que t'es qui exactement? C'est qui, Eric Beaudoin? Ben oui, ben c'est ça. Écoute, on est des collègues et des amis. Je suis basé à Montréal, originaire de l'Abitibi. Je suis un parent, nous avons une fille, un garçon. Une fille de 22 ans et un garçon de 5 ans, donc il y a quand même une bonne marge. Et c'est mon fils de 5 ans qui me tient le plus occupé. Je suis en frais de sport, je suis amateur de la course, puis de la plongée sous-marine. J'ai plongé beaucoup au Québec pour la pêche, j'ai plongé beaucoup en Ontario pour les épaves. J'ai jamais eu la chance, par exemple, de plonger dans la ville de Québec. Puis il doit y avoir vraiment des belles places pour plonger, là, je pense. Effectivement, c'est quelque chose, j'aimerais ça essayer, la plongée, définitivement. J'ai plusieurs personnes qui m'en parlent, d'ailleurs. Quand j'étais au Red Hat Summit, un peu plus tôt cette année, on a eu un souper avec des clients. Il y a deux personnes qui étaient à la table. Je pense pendant une heure de temps, ils nous ont parlé de plongée sous-marine. Puis ils m'ont vraiment donné le goût d'essayer. Ils nous ont parlé, entre autres, des escoumins. Je pense que tu es déjà allé aux escoumins. Ouais, j'ai été deux fois. En fait, ça me ferait plaisir d'y retourner. Il y a des possibilités de voir des baleines là-bas. Par contre, il faut y aller en dry suit parce que même l'été, c'est froid. C'est froid. Mais ça serait une belle activité Red Hat client. Ça cool. Effectivement. Non, mais je pense que ça faut quand même. On peut pas commencer ça comme ça. Là. Ça prend des cours. Là. Tu peux pas dire je m'équipe puis je descends. Puis, Oui, tu as raison. Mais le problème en plongée sous-marine, que le monde fond, ils vont dans le sud pour prendre des cours, puis après ça, ils veulent plonger ici. Il faut vraiment prendre des cours au Québec, parce que la visibilité est moins bonne, c'est froid, les conditions sont plus dures. Après ça, quand tu vas dans le sud, c'est beaucoup plus facile, et beaucoup plus sécuritaire aussi. Ah, excellent, garde, on essaiera ça éventuellement, Eric, quand on aura plus de, quand j'aurai plus de temps, puisque tu en fais déjà, là, mais moi, avec toutes les activités personnelles, les activités avec les enfants, il n'y a pas assez d'heures d'une journée. Donc, Eric, tu nous as parlé de toi personnellement. Maintenant, peut-être parler un petit peu de ton rôle chez Red Hat. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail? Oui, ben mon rôle, c'est Technical Account Manager. Je suis chez Red Hat depuis 3 ans. Écoute, on a eu la chance souvent de travailler ensemble. C'est ça, mon rôle comme tel, c'est Technical Account Manager. OK. Puis, écoute, tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que c'est un Technical Account Manager. Là. En quoi consiste ton travail? T'es dans le groupe support, là, mais qu'est-ce que tu fais dans le groupe support? Ben ça, c'est un point important. Quand on parle d'un TAM chez Red Hat, le TAM n'est pas lié aux ventes. N'a aucun lien avec les ventes. Donc, c'est plus le côté support, relation client. Le gros avantage d'un TAM, c'est que ça donne un accès direct au client via email, via téléphone,
pour toutes les pour des billets, pour des questions. L'OTAM a vraiment une interaction directe avec ses clients. Puis l'OTAM a seulement 4 clients, en théorie. Donc, ça permet, ça donne beaucoup de temps au TAM de développer des bonnes relations avec ses clients. OK. Excellent. En fait, moi, je vois ça quand j'en parle à mes clients de ce service-là. Là, je présente comme un ambassadeur pour le client, mais chez Red Hat. Donc, de ton côté, comme tu dis, vous connaissez bien le client, tu connais bien le client, tu connais bien leurs besoins, leur environnement. Puis toi, au fil des années, ben, tu as construit un réseau de contacts à l'intérieur de Red Hat. Donc, tu as plusieurs amis, non seulement au support, mais au niveau ingénierie. Donc, tu profites de ces relations-là pour aider tes clients. En fait, c'est un support. On peut voir ça comme un support A++. Plus. Je ne sais pas combien de plus, là, mais... Ouais, non, c'est bon. Tu viens de soulever un point que j'ai oublié de mentionner qui est excellent, c'est que on a un accès direct avec les ingénieurs, tout ce qui est l'ingénierie. Puis souvent, aussi, on connaît les meilleures ressources, puis on développe des relations directes et des ressources. Fait que des fois, il y a des billets d'urgence pour des clients qu'on fait une grosse différence. On peut accélérer ou mettre en contact avec des bonnes ressources nos clients. Est-ce que tu as, je ne sais pas si tu as un exemple en tête où vraiment ton travail a fait un impact chez un client. Je devine que c'est ça régulièrement, là, mais peut-être tu peux donner un exemple aux personnes qui nous regardent. Ça serait bien. Oui, ben, y a plusieurs situations. Souvent, à chaque semaine, mes clients vont m'écrire, vont dire « Écoute, j'ai besoin de telle information, SAP HANA, est-ce que c'est supporté avec RHEL 5? » Il y a plusieurs façons d'interagir avec le TAM. Mais il y a aussi une grosse partie de notre ouvrage, c'est d'aider à la résolution des problèmes, des billets. Un exemple, c'est un de nos clients avait un problème avec Satellite dans le temps, avec Satellite 6.0, 6.1. Les performances n'étaient pas, disons, au meilleur. C'était un de nos clients d'envergure. On a ouvert un billet, on a travaillé le billet, on a fait notre mieux pour vraiment troubleshooter puis trouver la solution. Et ça avançait pas assez vite. Donc, j'ai personnellement escaladé à l'interne au niveau des ressources. Et l'ingénieur de la Caroline du Nord qui travaillait avec moi sur le billet est venu à Montréal, on-site, travailler avec le client directement. Nous avons passé quelques jours dans les bureaux du client à travailler sur le satellite. Et en fait, on a fait beaucoup plus parce que ça permet au client d'interagir directement avec l'ingénieur, de poser des questions sur une... L'ingénieur, c'était un des personnes qui développe le satellite. Donc, tout ce que ça a apporté au client, je pense que c'était très bénéfique. Ça, c'est des cas extrêmes que je vous raconte. Mais pour escalader comme ça, il faut vraiment un temps, quelqu'un qui peut parler au nom du client chez Red Hat. OK, excellent, Eric. Bon résumé. Hein? Bon exemple, en fait. Je dis résumé, mais c'est un exemple. Sinon, en dehors, je devine les TAM, là, comment vous êtes structuré. Vous avez des spécialités? Est-ce que tu as une spécialité ou est-ce que vous êtes généraliste? Ou... Ben, maintenant, avec tous les produits qu'on a chez Red Hat, il faut développer des spécialités. J'ai des bonnes compétences satellites. De fortes compétences, en fait. Mais j'ai développé un côté OpenStack. J'ai aussi des clients OpenStack. Donc, ma spécialité, c'est plus OpenStack. Excellent. Puis je pense que tu as un petit penchant côté automatisation aussi. Je pense que tu travailles sur des projets en automatisation en lien avec OpenStack. Oui. Ben, enfin, je t'en parle souvent, mais en plus d'être certifié Ansible, je m'en sers quasiment tous les jours pour développer mes labs. Je viens tout juste d'en terminer un. Je déploie OpenStack 13, la dernière release, qui est en container. Donc, ça déploie un on the cloud, pour ceux qui se connaissent, là, et un on the cloud. Ça comprend 5 serveurs, 2 compute, 3 contrôleurs, qui se connectent sur un CEF externe aussi. Tout ça automatisé. Donc, est-ce que tu as automatisé la portion du déploiement à CEF? Il faut vraiment que tu aies ton cluster CEF en place pour que ça fonctionne? Oui, dans ce cas-ci, c'est le CEF qui soit en place. Hein. Okay. Puis les credentials pour OpenStack aussi. Écoute, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourra creuser ensemble dans un prochain prochain épisode. Tu pourras peut-être venir nous présenter tes travaux et voir comment les personnes qui regardent, qui écoutent,
les émissions pourraient utiliser ce que tu fais pour tester Ça me au fait Podstack. plaisir. Ouais. Excellent, excellent. Good, ben écoute, merci Eric. Bonne, très bonne intro. Je devine que tu restes avec nous autres pour le reste de l'émission. On a une couple de sujets intéressants. Je pense que tu pourrais donner tes commentaires aussi sur ces sujets-là. Oui. Ouais, ça me fait plaisir. Excellent. Merci. Merci, merci. OK, donc, mais pour les gens qui regardent, Eric est le premier invité. C'est la première fois que j'en ai invité à l'épisode. On est rendu à la septième épisode déjà. Ça va très vite. À tous les 2 semaines, j'essaie de tenir un épisode. J'ai proposé à Eric de venir il y a quelques semaines. J'ai proposé aussi à d'autres invités. Là, j'en ai parlé un petit peu plus tard, là. Il y avait un autre invité aussi qui devait se joindre à nous cette semaine. Malheureusement, il y a eu un petit empêchement. Donc, il y en aura d'autres dans les épisodes à venir. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Eric là, dans le chat. Ceux qui sont en direct, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des questions, si vous avez des questions sur le support ou le service de TAM, Eric est là. Il va rester avec nous jusqu'à 1 heure. Donc, déjà midi 26, ça passe vite, hein. Donc, dernier épisode, depuis le dernier épisode, ça fait 2 semaines. Comme je fais habituellement, je parle un petit peu de ce que j'ai travaillé dans les 2 dernières semaines. Donc, j'ai travaillé en fait beaucoup sur les événements à venir cet automne chez Red Hat. On en a plusieurs. Je vous les ai présentés lors du dernier épisode. On va refaire un récap très rapidement dans quelques minutes. Ça m'a amené à réviser mon deck Ansible pour tous, deck que j'ai déjà présenté à un événement à Québec. Donc, je vais le présenter à Montréal très prochainement. Donc, j'ai mis à jour en fait le deck, j'ai mis à jour les playbooks aussi. Hein. Playbook, on automatise beaucoup de choses, mais il faut les tenir à jour, ces playbooks-là, parce que les technologies évoluent. Sinon, j'ai participé à 2 POC dans les 2 dernières semaines. En fait, cette semaine, j'ai fait une POC avec un organisme à Québec. Je sais qu'il y en a qui sont en train de regarder, qui ont fait la POC avec moi cette semaine. Donc, je pense, somme toute, ça s'est super bien passé. On l'a fait quand même assez rapidement. Eric, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les premières versions de Satellite, lorsqu'on faisait des POC, tout le monde, quand je faisais des POC puis je t'en parlais, on étirait souvent les POC sur 3 à 4 jours. Oui, c'est vrai. Ouais, hein, avec 6.3, la dernière release, et 6.4 qui s'en vient, on en parlait tout à l'heure, ça s'est grandement amélioré. L'installation, la configuration s'est grandement améliorée. On va beaucoup plus rapidement lorsque c'est le temps de faire des POC. Donc, j'ai pu le constater cette semaine. Sinon, autre POC que j'ai ouais, pas. Mais oui, mais Michael, je pense qu'il faut mentionner aussi souvent qu'on a eu beaucoup de problèmes réseau. C'était pas toujours Satellite en cause. Si je peux prendre Effectivement. la défense du support aussi, là. Ouais. Effectivement, j'ai eu la chance cette semaine d'être avec une équipe de gens qui étaient réveillés. C'est pas toujours le cas là, quand je vais en POC chez des clients. Souvent, on arrive sur des POC, puis le réseau est hyper sécurisé, puis on n'a pas beaucoup de flexibilité. Donc, dans la POC de cette semaine, il y avait une bonne équipe, puis il y avait des équipes réseautiques de sécurité, puis des équipes de VMware. Donc, ça a été quand même assez vite lorsqu'on frappait des problèmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, effectivement, ce n'est pas toujours à cause du produit qu'on a eu ces lenteurs-là. Je me souviens d'avoir fait une POC, Satellite 6, je pense que c'est 6.1 chez un client, pour lesquels on lançait la synchronisation des canaux, puis. Le proxy à tous les heures coupait les communications pour des raisons de sécurité. Donc, il fallait relancer la synchronisation à tous les heures. Et la première fois qu'on synchronise les canaux de base de REL avec Satellite 6, on parle d'un 30 gigs de données à downloader. Des choses qui ont changé là, depuis, là, mais à l'époque, c'était vraiment, fallait downloader les 30 gigs. Fait que 30 gigs coupait toutes les heures, là, je peux vous dire que ça a été long de synchroniser. Donc, ce genre de problème-là qu'on a frappé dans le passé. Mais tu as raison, Eric, c'est pas toujours, ça n'a pas été tout toujours à cause de Satellite. Quoique, avec Satellite 6.3, la façon dont il s'installe, il se configure, il y a beaucoup moins d'opérations à faire que dans le passé. Et avec 6.4, que j'ai eu la chance d'installer, je vais vous en parler dans quelques instants, là, je l'ai installé hier et ce matin, j'ai joué avec. Il y a encore des belles améliorations. Sinon, un autre POC que je n'ai pas participé directement, mais j'ai eu à interagir avec le client. Donc, c'est le client qui a monté sa POC. On l'a assisté par courriel, par téléphone. Je sais que mon collègue Marcos est allé quelques fois sur site. Donc, c'est une POC avec Rev. Qu'est-ce qui se passe avec Rev? Ben, en fait, VMware, les coûts de VMware augmentent de façon assez drastique, là, de renouvellement à renouvellement, c'est de plus en plus gros. Sont devenus l'oracle, mais pour la virtualisation. Et la virtualisation, ben, écoute, Eric, tu me corriges si je me trompe, mais ça devient de plus en plus de commodité. Hein. Les gens lancent des VM, mais peu importe c'est quoi la technologie,
tant sous longtemps qu'ils ont accès à une VM, il n'y a pas de problème. Donc, ça donne une bonne chance à Rev de prendre des parts de marché à VMware. On a d'ailleurs, la semaine passée, je vous ai présenté une nouvelle initiative de migration VMware à Rev. On a quelques clients là, qui nous ont contactés suite à ça. Suite à ce lancement-là, en fait, c'est pas juste à suite que j'en ai parlé à l'émission, là, mais suite au lancement de cette offre-là. Donc, il y a de l'attraction vers Rev. Donc, on a eu la POC. POC qui s'est quand même bien passé. Là, ça devait se terminer aujourd'hui. Je dois avoir un appel cet après-midi là, pour faire un résumé là, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui doit être corrigé. Là. Mais en somme toute, je pense que ça s'est bien passé. Toi, de ton côté, Eric, as-tu joué un petit peu avec Rev ou tu n'as pas eu du tout à interagir avec Rev? Pas dernièrement, pour être honnête. J'ai pas eu la chance de... Ouais. C'est plus ça. Ben oui, mais ce qui arrive aussi avec mon rôle, c'est que je suis souvent mes clients. Et mes clients, présentement, sont Satellite OpenStack. Mm-hmm. Donc, mes labs, mes travaux, ce que je fais la semaine, sont souvent attachés, reliés à mes clients. Ouais. Écoute, on pourra éventuellement, ça pourrait être une idée de faire une émission éventuellement sur Rev. J'ai fait partie de la SMI de Rev. SMI, c'est les experts. En fait, en tant qu'architecte, il faut se joindre à ce qu'on appelle un SMI, un groupe d'experts. J'en ai fait deux depuis que je suis Red Hat. J'ai fait Rev, j'ai fait le mainframe. Donc Rev, j'ai fait partie de la SMI pendant plusieurs années, même au Red Hat Summit. Je suis allé dans le kiosque travailler avec Rev. Donc je connais quand même bien le produit. Et ça serait peut-être c'est bien une bonne de idée, je pense. Revisiter ça éventuellement dans un prochain épisode. Oui, Eric, tu allais dire de quoi? Excuse-moi, Michael, je ne vais pas te couper, mais c'est un produit qui s'est beaucoup amélioré. J'entends beaucoup, de plus en plus de bien pour ce produit-là. Excellent. J'ai l'impression que c'est mal connu un peu. Oui. Je pense que le présenter serait une bonne idée. Excellent. Sinon, c'est pas mal ce que j'ai fait dans les deux dernières semaines. Je dirais, dans les derniers jours, j'ai suivi, comme peut-être la plupart d'entre vous, ce qui se passe aux États-Unis avec l'ouragan Florence. Et tiens, Eric, pendant peut-être que tu parles de ce qui se passe avec Florence du côté Red Hat, je vais aller sur YouTube monter une couple de vidéos, tu sais, pendant qu'on jase. Ben, c'est sûr que nous autres, on a une maison mère en Caroline du Nord, donc ça a un gros impact. Les bureaux sont fermés, donc on doit couvrir leurs comptes. Parce que les TAM qui ont des comptes, les TAM ne sont pas disponibles, s'ils tombent malades et tout, il y a toujours un autre TAM qui va le couvrir. Donc, le client va toujours avoir une relation directe. Et dans notre cas, ben, il y en a à râler, étant donné que quasiment une maison mère, c'est notre maison mère, en fait. Ça comprend beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont impactés aujourd'hui par cette tornade. Et j'espère sincèrement qu'elle va être moins forte qu'il l'avait prédit. Là. Écoute, j'ai mis des images qui montrent, je pense que c'est temps réel, là, c'est sur YouTube en fait, où est rendue la tempête. On a vu râler sur la carte, là, notre maison mère, comme tu as mentionné, est à râler. Je pense qu'ils ont fait une évacuation, je pense, de nos bureaux. Je ne sais pas si tu l'as dit, là, je lisais pendant que tu parlais. Là. Non, je ne l'ai pas dit, mais okay. Oui, en effet, ils ont évacué. Je pense qu'ils ont évacué. Ils ont évacué. C'est pas tant à cause des vents, mais c'est vraiment la quantité de pluie qui va s'abattre dans ces régions-là là, qui fait peur. De notre côté, je sais qu'au niveau support, tu l'as peut-être mentionné, là, mais on n'a pas relocalisé des équipes ou. Ce qu'on a demandé aux autres hubs de support d'aider durant cette période, qui devrait quand même être quelques jours. Là. C'est ça, sur le site de Red Hat, sur le site du portail, depuis quelques jours, là, il y avait une notification là, que c'est quelque chose qu'on avait à l'œil, principalement parce que Raleigh est au cœur, est proche de cette tempête-là, on le voit encore en ce moment. Là. Il n'est pas sur la trajectoire directement de l'ouragan, mais on peut voir que c'est assez étendu, les nuages, tout ça. Fait que, ce que j'ai hâte de voir, je discutais ce matin avec un collègue développeur qui développe du côté OpenShift et qui était dans la région de Raleigh. Lui, il n'est pas évacué, il est resté à Raleigh. Puis il me disait que le vent était quand même assez fort, il entendait beaucoup de branches frapper sur sa maison. Là, et je pense qu'il était quand même assez nerveux quand il me disait ça. Là. Il disait pas ça de toute joie. Donc, je moi, j'ai des collègues qui avaient été envoyés en training, puis ils ont été rapatriés. Ils sont tous revenus, puis ils vont travailler à distance. Okay.
Donc, pourquoi j'en parle un petit peu? Ben, Red Hat, la maison mère est à Raleigh. Nous, ça nous impacte. Moi, j'ai suivi ça quand même assez de près depuis les derniers jours. J'ai parlé à une couple de collègues. On n'est pas impacté directement ici, mais notre travail peut s'impacter parce qu'effectivement, depuis 2 jours, dans les mailing lists, les chats, il y a beaucoup moins d'activité parce que les gens se concentraient à évacuer et solidifier leur maison peut-être. Donc, il y avait un petit peu moins d'activité. Puis, comme on a beaucoup, beaucoup de serveurs, je devine, dans la région de Raleigh, qui pourraient peut-être impacter certains de nos services. Donc, ce sera surveillé dans les prochaines heures. Pour l'instant, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de panne qui a été annoncée concernant nos services. Là. Je ne sais pas, à moins qu'Éric t'ait entendu quelque chose. Là, mais... Non, jusqu'à date, ça se passe quand même bien. Là. Excellent, excellent. Tant mieux, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que c'est dans le gros, là. On est dans le gros, de la tempête en ce moment. C'est bon. Quoi d'autre maintenant? OK, on passe à la prochaine section. Tiens, je vais l'updater ici, en haut. On va passer à la section des annonces. On va faire ça vite, les annonces, parce que j'ai pas rien de nouveau. J'ai pas rien de nouveau à rajouter à ce que j'ai déjà dit il y a 2 semaines. Par contre, tenez, tiens, je vais juste vous montrer un petit résumé ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Là. Je ne sais pas si la résolution est bonne. Donc, dans les événements Red Hat dans la région de Québec et Montréal, on a le TROC. J'en ai parlé il y a 2 semaines. Le TROC ici, va être à Montréal la semaine prochaine et à Québec aussi. Donc, à Montréal, il va être là le 17, 18, 19. Le 17, c'est pas public, là, c'est un événement chez Bell. Mais le 18 et le 19, il va être à Montréal 2 jours. Le 18, ce qu'on a décidé de faire, qui est nouveau, c'est le ROG. Donc, j'avais dit de ne pas tenir de ROG à l'automne parce qu'il y avait beaucoup d'activités, mais on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un, que ce soit le fun, de faire ça à l'intérieur du truck. Donc, on est limité en espace. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, tardez pas. On a 40 places, et on dépasse souvent les 40 personnes au ROG. Donc, j'ai mis l'agenda aussi, des sujets super le fun. Martin va venir nous présenter Ansible, je crois que c'est Ansible Windows. J'ai pas l'horaire devant moi, là, mais... Bref, il y a des sujets super le fun. Le 19, le lendemain, on a un événement Red Hat, le même événement qu'on a fait à Québec. Donc Red Hat et Microsoft, on va parler des technologies Red Hat sur Azure, donc OpenShift, Ansible et CloudFormil y a quand même beaucoup d'inscriptions, on dépasse les 100 inscriptions pour l'instant. Ça, on a beaucoup de place, il n'y a pas vraiment de place limitée. Là. Le centre des sciences, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, l'amphithéâtre, il y a beaucoup, beaucoup de place. Je pense qu'il y a pas moins de 300 places, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Sinon, le lendemain, le 20, on se déplace vers Québec le jeudi. Donc, on va tenir le ROG de Québec à l'intérieur du truck aussi. On a une horaire un petit peu différente sur Québec parce que j'ai l'opportunité d'avoir un spécialiste Ansible Network qui vient à Québec pour rencontrer des clients. En même temps, on a dit, tiens, viens donc présenter au ROG. Donc, c'est un spécialiste qui s'appelle Michael Ford. Il vient de Chicago. C'est un gars de réseau qui utilise Ansible pour automatiser depuis longtemps, je pense. Donc, il va venir présenter ce qu'on fait de bien avec Ansible Network. Il va rencontrer... Ça lui a pas tenté de devancer son voyage puis de visiter Montréal, non? Sinon, je pense que les gars... C'est boss. Effectivement, ça aurait pu être bien pour lui, mais les gars de l'équipe Ansible Network, il n'y en a pas des tonnes, puis ils sont hyper occupés, ces gars-là. Ils sont difficiles à avoir, fait que non. Je pense qu'il aurait aimé ça, mais il vient jeudi, vendredi, il repart vendredi immédiatement après les rencontres clients. Là. Fait qu'il n'aura pas le temps de visiter. Peut-être jeudi soir, il pourra peut-être le sortir dans le vieux Québec, montrer le vieux Québec. Première fois qu'il va venir à Québec en passant. Là. Sinon, le 25 octobre, j'ai déjà mentionné OpenShift Workshop. Ce qui va être vraiment cool à ce workshop-là, c'est qu'on va avoir 2 tracks. Donc, une track pour les opérateurs et une track pour les développeurs. Vous devez emmener votre laptop, puis le reste, on s'en occupe. Donc, je vous invite. C'est une journée complète. Et je regarde, comme je mentionnais la dernière fois, pour le faire à Québec éventuellement. Sinon, on a les Ansible Meetup. Donc, je dirais pas en tournée, mais c'est presque une tournée. On n'a pas fait de Ansible Meetup, ça fait presque 1 an. Donc, sur Québec, c'est confirmé, c'est le 17, c'est juste pas annoncé encore, donc c'est une primeur pour vous qui m'écoutez. On va faire ça chez Microsoft à Place de la Cité. Donc, je vais annoncer ça là, soit en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, puisque c'est le 17 octobre. Et sur Montréal, les dates ne sont pas confirmées, mais on regarde pour faire ça en novembre. J'attends confirmation, en fait, des commanditaires et de certains présentateurs pour officialiser la date, mais ça s'en vient. Puis pour le lieu à Montréal, est-ce qu'on sait? Le lieu du meet-up à Montréal?
Ouais, Une cible, ça pourrait être au bureau, mais je l'offre aux commanditaires aussi. S'il y a des commanditaires qui veulent qu'on tienne le meet-up à leur bureau, j'ai aucun problème, là. Ça donne une visibilité pour eux autres. Donc, je l'ai offert à un d'ailleurs, j'attends son retour. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de date et de lieu confirmé. Mais si, de bonnes chances que ce soit à notre bureau, mais ça pourrait éventuellement être à un autre endroit. Donc, c'était les événements, les annonces. Une autre annonce, en fait, pas vraiment une annonce, c'est pas un grand événement, mais c'est en discutant avec les gens de Microsoft un petit peu plus tôt cette semaine, enfin avec Mathieu Dupont. Je pense que Mathieu nous regarde, en tout cas, il m'avait dit qu'il allait venir jeter un œil aujourd'hui. Donc salut Mathieu, si t'es là. Donc Mathieu, je vais te faire une petite plug en passant. Mathieu travaille actuellement l'image. Étonné, tiens, je vais le mettre, j'ai pas mis de lien encore, on va mettre un lien. Donc, pour ceux qui travaillent avec Microsoft, avec le produit VSTS, qui est l'équivalent un petit peu de Jenkins du côté Microsoft. Donc, Mathieu travaille l'agent. Donc, il y a un agent déployé. L'agent, c'est une image. L'image roule, ben, je dirais pas malheureusement, mais l'image a été construite avec Ubuntu. Et ce que Mathieu travaille avec les liens que je vais passer ici sur GitHub, vous pourrez suivre ce que Mathieu fait, là, c'est à incorporer Ansible dans ces images-là. Probablement pour doter VSTS encore un autre niveau d'automatisation. Là, j'ai pas le détail, j'ai pas regardé vraiment ce que ça apporte. Je suis pas un utilisateur de VSTS, mais je suis certain qu'il y en a parmi vous qui le sont, spécialement les gens peut-être de Québec, du gouvernement. Là, je sais qu'il y a beaucoup de VSTS déployés à cet endroit-là. Donc Mathieu travaille à incorporer Ansible dans ces images-là. J'ai demandé à Mathieu un petit peu plus tôt cette semaine, je dis une fois que ça va être fait, là, prochaine étape, change donc l'image de base. Au lieu d'être Ubuntu, peut-être prendre elle ou au moins prendre CentOS. Donc c'était la section des annonces, en fait, des annonces que j'avais à vous passer aujourd'hui. Prochaine section qu'on fait aussi régulièrement, c'est les dernières sorties. Et tiens, je vais utiliser mon invité, tiens, pour le faire parler un petit peu. Donc, Eric, on a eu deux grosses sorties, on peut dire, très attendues cette semaine. Cette semaine, peut-être qu'il y en a un, c'est la semaine passée, je ne me souviens pas. Mais du moins, dans les deux dernières semaines, deux grosses sorties, je te laisse annoncer ça. Et justement, c'est le sujet principal des discussions aujourd'hui en même temps. Ben, je pense que c'est deux de nos beaux produits, Ansible Tower 3.3 puis Satellite 6.4. Mais 6.4, c'est la version bêta. Donc, c'est la version essai. Pour ceux qui veulent la tester, qui veulent mettre ça en production, c'est important de savoir qu'une version bêta ne peut pas devenir en production. Absolument. Donc, c'est une version bêta. C'est un bêta public. Il faut dire qu'on a eu des bêtas privés juste avant. Donc, c'est des bêtas publics. Donc, vous pouvez... J'ai pas le lien, Eric. Peut-être que pendant que je parle, si tu veux trouver le lien là, pour s'inscrire. Je pense qu'il y a un lien là, sur notre portail. J'ai oublié de le prendre en note. Si on veut le communiquer aux gens qui seraient intéressés à essayer Satellite 6.4 bêta. Un des prérequis, tout simplement, c'est de une fois qu'il est installé, vous allez avoir joué après. On vous demande de nous donner des feedbacks. C'est normal. Là. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. Donc, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, c'est les sujets principaux aujourd'hui. Satellite 6.4, je vais commencer avec ça. Puis là, je vois le temps avancer. Déjà, midi 43, on va essayer de finir aux alentours d'une heure. On va peut-être dépasser un peu une heure. Puis j'ai Ansible 3.3 aussi que je veux vous montrer. J'ai eu la chance de pouvoir monter des petites démos. Donc, d'ailleurs, pendant qu'on se parle, j'avais juste lancé la VM. Ça, je peux peut-être passer sur écran ici. Je vais juste vous montrer ça ici. Je vais partir de la VM. Et, c'est un test que j'ai... Je pense qu'on l'a fait, Eric, un petit peu plus tôt cette semaine. Là, j'ai quand même beaucoup de choses ouvertes. Okay, je suis en train de streamer avec OBS. J'ai une couple de browsers d'ouvert. J'ai Eric qui est connecté en Skype en ce moment. Et je suis un peu limité en ressources sur mon portable. J'espère qu'il n'y aura pas de... On n'aura pas de lenteur, mais Satellitis quand même est une bonne machine virtuelle assez gourmande, donc je vais la lancer juste ici et je vais voir là, si jamais vous voyez des coupures ou des lenteurs on reviendra s'il y a des petites problématiques, mais je pense pas. Eric, on l'a roulé cette semaine un petit peu plus tôt, hein. Ouais, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. J'espère que...
J'espère qu'on pourra le présenter parce qu'il y a un des gros changements dans Satellite 6.4, ça va être la navigation qui a changé. Maintenant, elle est verticale. Absolument. Je pense que ça va frapper ceux qui sont habitués de jouer avec Satellite. Ça va être déjà soit un choc ou... Ouais, je vois des petites lenteurs à l'écran. Là. Vous me dites dans le chat s'il y a des petites problématiques, là, mais je vois que ça travaille, ça coche un petit peu. Là. On va le laisser partir. Le CPU est quand même utilisé au maximum, donc... Je vais juste attendre que la machine soit partie avant d'aller plus loin. Ben, peut-être qu'on pourrait en profiter pour dire une couple de différences. Oui, vas-y, je te laisse aller, vas-y. Ouais, OK. Bon, ben écoute, un gadget que je trouve le fun, on avait parlé, je sais pas si toi ça t'avait impressionné, mais moi, je trouve le fun, c'est la vieille technologie un peu, là, mais ARS Feed. Maintenant, le satellite va fournir enfin l'information du blog de satellite de chez Red Hat. Donc, à partir de ton satellite, tu vas avoir les nouvelles, les feeds sur l'information sur satellite. Une autre fonction qui est intéressante, ça s'appelle Foreman Maintenance, qui risque de remplacer, présentement c'est Tech Preview, donc en essai si on veut, ça risque de remplacer Catalyst Service pour différentes raisons techniques, là, je sais pas si on veut aller dans les détails. Comme tu veux, si tu te sens d'attaque. Ben, c'est nouveau pour moi aussi, j'ai pas eu la chance de le tester vraiment, donc... parce que présentement, une des différences avec Satellite aussi, le nouveau satellite, c'est que va pouvoir supporter les bases de données externes. Donc, la gestion va être différente. Et une autre chose que je voudrais apporter de Satellite, un autre changement qui va impacter nos clients aussi. Probablement une bonne nouvelle aussi, je crois. C'est la version de Puppet. Satellite 6.4 vient avec Puppet 5. Ce qui est important à savoir pour ceux qui ont déjà des satellites, si vous avez déjà Satellite 6.3, avant de mettre à jour à 6.4, vous allez devoir avoir la version Puppet à jour, c'est-à-dire Puppet 4. OK, excellent. Garde juste, Eric, le timing est bon parce que tu viens de finir de parler et on voit que la machine satellite là, semble baisser en termes de consommation de CPU. Là. Dès que c'est terminé, je vais être bon pour vous montrer l'interface. C'est un petit peu long à démarrer. Je doute qu'il est long à démarrer parce que j'ai beaucoup de choses d'ouvert. On est en train de streamer, compresser du vidéo. Donc, j'en demande beaucoup à mon laptop. Mais je vois que ça tient. J'espère qu'au niveau de Twitch, tout est encore beau sur le canal. Je vois qu'il y a des gens qui m'ont mentionné que ça saccadait, mais que le rendu était quand même bien. Donc, dès que c'est terminé, je ne pense pas que ça allait être long comme ça. Normalement, le satellite, c'est un petit peu plus vite à partir, mais comme je vous dis, la machine est assez occupée. Je ne voulais pas le partir avant pour éviter de consommer des ressources inutilement. Puis je vous dirais que quand mon laptop roule très rapidement dans le bureau, ça fait beaucoup de chaleur. Puis, je veux dire, en 45 minutes, là, ça fait que dans un petit bureau, là, à la température qui fait dehors, c'est pas long qu'il fait très, très chaud ici. Donc, c'est toujours pas démarré. Ce que je vais faire, je vais l'essayer ici. L'essayer juste ici. C'est parti. Ça semble être démarré. Là. Je sais pas, peut-être qu'il fait des... de la maintenance, je sais pas. Eric, il y a peut-être une question pour toi. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, là, mais c'est quoi l'upgrade path de satellite depuis 6X à 6.4? Je sais pas si tu as eu la chance de regarder ça. Ben, 6X, ça peut remonter à loin. 6.2, je pense pas qu'on puisse sauter des releases. Donc, on va devoir aller de 6. En fait, les bonnes releases, les releases majeures que je pense que tous nos clients, en théorie, sont dessus, c'est minimum 6.2. Les autres satellites qui existent
présentant que je connais, en tout cas, là, c'est 5-8. Tu passes pas de 5 à 6. C'est une trop, la différence est trop majeure. Par contre, pour passer à 6-4, tu dois upgrader de 6-2 à 6-3, 6-3 à 6-4. Absolument. Puis j'ai cru voir dans le programme bêta de 6-4, là, il y a une page dédiée à ça. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, Eric, là, mais j'ai vu qu'il y a un scénario qu'on peut tester qui s'appelle la mise à jour d'une version mineure quelconque à 6-4. Et j'ai vu qu'il y avait des canaux, peut-être un canal spécial à activer là, pour faire cette mise à jour-là. Mais écoutez, j'ai pas eu la. En fait, je l'ai installé. J'ai commencé par l'installer avant de commencer à tester la mise à jour. Donc, j'ai pas eu la chance encore de creuser cette portion-là, là, mais je vais regarder ça dans les prochaines journées. Et M. Jevin, El Bernard, c'est notre ami Luigi, ça. Donc, je pourrais t'en reparler éventuellement, Luigi. Donc, ça semble d'essayer de stabiliser ici. Donc, on va aller voir de quoi ça a l'air maintenant. Donc, comme Eric a mentionné, on a une nouvelle interface dans Stellar 6. Ben, c'est pas vraiment une nouvelle interface, mais c'est un nouveau look and feel qui est vraiment... quand j'avais vu le roadmap, pas que j'étais inquiet, mais je ne suis pas un fan des menus qui sont sur la gauche. C'est le framework Patternfly en fait, qui impose ça. Imposé. Bon, c'est sûr qu'on a toujours le choix, là, mais on a décidé chez Red Hat que toutes nos interfaces passaient par ce framework-là qui s'appelle Patternfly. Donc, et Patternfly est assez fort sur les menus à gauche. Donc, la plupart de nos produits maintenant ont des menus à gauche. Et à ma grande surprise, avec Satellite 6, on a quand même fait un bon travail. Ça navigue très, très bien. Donc, tous les menus qui étaient en haut sont rendus maintenant sur la gauche. Et on a mis des petites icônes aussi. Donc, je trouve quand même ça assez bien épuré. Donc, vous avez le dashboard. Je ne sais pas, Eric, si tu l'as mentionné là, pendant que tu parlais. J'essayais de partir de ma machine. J'ai manqué des bouts sur ce que tu as dit. Oui, on a une nouvelle interface. On a un nouveau design graphique. Mais là, vraiment, la grosse nouveauté, là, c'est d'avoir intégré une Sebald. D'offrir une alternative à Puppet avec cette élite. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? D'accord? je suis totalement d'accord. Écoute, je suis en train de regarder pour un lien pendant que je te parlais, là, ouais. Pour répondre à notre ami Luigi. Excellent. Donc, c'est le menu ici. Vous voyez la différence. C'est sûr qu'au niveau opérationnel, ça ne change pas grand-chose, mais au niveau raffinement, c'est bien. Ce que je vais vous montrer, j'ai trouvé vraiment... super le fun. Gros changement au niveau graphique, là, c'est les repos Red Hat. Quand c'est le temps d'aller synchroniser, aller choisir. Oups, il faut que j'y aille dans mon organisation, excusez. Il faut que j'y aille dans la bonne organisation, bonne localisation. Donc, c'est les repos. Pour ceux qui ont essayé 6.3 et moins, et qui ont beaucoup de produits avec nous, comme moi c'est le cas, là, j'ai tous les produits Red Hat, vous allez voir, là, j'ai une quantité astronomique de canaux, à 4725 canaux. Quand je cherche un canal en particulier, avant 6.4, avec 6.3, il fallait que je sache où il était ce canal-là, dans quelle sous-section. Ce qui est vraiment bien avec 6.4, c'est que maintenant on peut chercher nos canaux ici. Donc si je cherche les canaux qui ont... c'est REL Extra, ben, je tape REL Extra et... je vais le trouver. Donc, on a ajouté la capacité de chercher dans les canaux, ce qui va être bien spécialement pour les clients qui ont plusieurs produits chez Red Hat. Vous allez adorer ça. Et ce qui est le fun aussi, vous pouvez voir, là, la présentation est beaucoup plus jolie. Donc, avec encore des icônes, avec un petit peu plus de détails sur les différents canaux. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est les canaux à ma gauche qui sont disponibles, mais à droite, ceux qui ont été... intégré ou incorporé dans cette élite. Donc ça, c'est le premier gros changement au niveau de l'interface. Sinon, l'autre changement qu'on a fait aussi qui est intéressant, c'est au niveau des abonnements, la gestion des abonnements. Donc ça, c'est une étape qui peut être pénible pour des clients qui ne connaissent pas comment Red Hat fonctionne au niveau des modèles des abonnements. Donc ce qu'on a fait, on a commencé à rendre ça le plus simple possible. Donc au préalable, avant 6.4, ce qu'il fallait faire, il faut aller sur le portail, créer un satellite 6 dans le portail et y mettre des abonnements à l'intérieur. Il faut toujours faire ça avec 6.4, mais ce qui est le fun, c'est qu'on le fait juste une fois. Okay? Avant 6.4, il fallait le faire à chaque fois qu'on rajoute des nouveaux abonnements. Maintenant,
Si vous pouvez voir, regardez ici, là, j'ai un abonnement qui s'appelle Employee, c'est mon abonnement principal. Si je vais ajouter des abonnements à mon serveur satellite, je n'ai plus besoin d'aller sur le portail, je fais juste Add Subscription ici. Et ce que ça fait, c'est que ça se connecte au portail et ça affiche qu'est-ce qui est disponible. Et là, je peux transférer, par exemple, trois abonnements ici, deux à cet endroit-là. Je fais Submit, je ne le ferai pas là, parce que c'est quand même une opération quand même assez longue, mais juste pour vous montrer que c'est possible maintenant. On a de moins en moins d'interactions avec le portail client. Donc, je pense que ça va être apprécié aussi des clients. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Non, je suis totalement d'accord. Je suis un des premiers qui avait des critiques là-dessus. Ouais. Je pense que c'était une bonne amélioration. Ouais. Est-ce que tu veux parler aussi, ou tu avais déjà prévu de parler de la synchronisation aussi des repos, des repositories? J'ai les syncs, pas. En fait. Là. Ah, ok, oui. Ben écoute, vas-y. Je pense vas-y. Que c'est un point important. Ouais, vas-y, je te ben laisse. Ben non, ben, je te laisse, en fait. C'est toi qui l'as testé. Oui, effectivement. Moi, j'ai. En fait, tantôt, je vous ai parlé, là, lorsqu'on fait des POC chez les clients, on arrive. Souvent, la première journée, ce qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on synchronise un canal de base, REL 7, par exemple. Il faut amener du contenu dans le satellite pour pouvoir l'utiliser. Et cette opération-là peut être assez longue. On parle de... Si on a, c'est environ 30 gigs à télécharger. Donc, dépendamment de la connexion à Internet, ça peut prendre quelques minutes, là, plusieurs heures, même peut-être plusieurs journées pour certains clients. Donc, ce qu'on a ajouté, c'est pas nouveau à 6.4, OK? Je pense que c'est apparu avec 6.3, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas eu la chance de le tester jusqu'à cette semaine dans mes POC. Donc, c'est ce qu'on appelle Lazy Sync, ce qu'Eric a mentionné. Donc, qu'est-ce que c'est Lazy Sync? C'est que au lieu de télécharger les 30 gigs de données, on va télécharger juste les metadata des RPM, en fait. Quand je dis données, là, c'était des RPM. Donc, ce qui fait que la première synchronisation qu'on fait, au lieu de prendre des heures et des heures, va se faire en quelques minutes. Il y a quand même une bonne quantité de données qui est téléchargée. On parle des metadata, peut-être une couple de gigs, mais ce n'est pas le 30 gigs au complet. Donc, ça a l'avantage que lorsqu'on fait entre autres des POC ou qu'on monte des environnements tests, on n'a pas à étendre ça sur 2, 3, 4 jours. On va faire ça très rapidement en quelques heures. Donc, puis je l'ai fait avec 6.4. En fait, 6.4, je l'ai installé hier matin. Puis aujourd'hui, on l'utilise, je vous le montre. J'ai déjà fait pas mal de configs dedans. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Puis de deux, ben Sébastien, mon collègue Sébastien, je ne sais pas s'il nous regarde ce midi, Sébastien me disait, ben écoute, l'autre avantage qu'on a à ça, c'est qu'il y a beaucoup de pactage qu'on ne télécharge pas. Donc, ce qui fait que notre satellite prend moins de place, tout simplement. Donc, au lieu peut-être d'allouer un 100, 150 gigs, on peut-être en allouer moins. Parce qu'on sait qu'on ne téléchargera pas nécessairement tous les pactages de Red Hat, toutes les versions. Parce que dans le satellite, lorsqu'on fait une full synchro, ça télécharge tous les pactages disponibles avec toutes les versions disponibles. Donc, ça devient énorme assez rapidement. Donc, à part ça, autre nouveauté, je pense que tout le monde a hâte de voir. NCBOT, je vous montre ça. En fait, je l'avais déjà montré dans des ROG, ceux qui sont venus, ROG de Québec, ROG de Montréal, mais ça a changé. Donc, en fait, à l'époque, j'ai montré un autre build. Là, c'est un nouveau build. C'est vraiment ce qu'on va sortir dans 6.4. Donc, je vous montre ça. C'est super le fun. Tout d'abord, vous montrer comment on amène des playbooks NCBOT dans cette élite. Là, je me cherche un petit peu. D'accord. Donc, dans Configure, on a une nouvelle section qui s'appelle Ansible. Donc, ce qu'on va mettre dans Ansible, c'est vraiment des rôles. Ce n'est pas des playbooks, mais vraiment des rôles. Donc, j'ai déjà téléchargé quelques rôles ici pour vous montrer. Donc, j'ai déjà un rôle, je peux voir, qui est associé à Host Group, sur lequel on a appliqué déjà le playbook, en fait le rôle sur un host. Donc, c'est vraiment bien. On peut voir si nos playbooks sont utilisés, combien sont utilisés dans notre organisation. Donc, on a un inventaire de ce qui est utilisé avec une métrique. Donc, ça, je trouve ça super le fun. Maintenant, si je vais appliquer ces rôles-là sur mes machines, le tout se gère dans host, all host, qui est juste ici. Donc, comme Puppet, c'est le même endroit pour Puppet. Donc, je vous montre ça. Donc, si je m'en viens sur ma machine, j'en ai juste une machine d'attacher. Je n'ai pas eu le temps d'en attacher plus que ça. Donc, ce qui est nouveau ici, j'ai Run Ansible Role. Qu'est-ce qui va rouler comme rôle? Ben, c'est les rôles qui sont associés tout simplement à la machine. Pour associer des rôles, je m'en viens dans Edit ici. OK. Et vous allez voir les rôles. Pas les rôles, mais on va voir une nouvelle fenêtre pour laquelle je vais pouvoir aller sélectionner les rôles Ansible et les classes Puppet. Donc, si vous regardez au niveau des rôles, je peux voir que ce rôle-là est assigné à la machine. Et si vous regardez au niveau classe Puppet, j'ai le message du jour qui est là. Ça va s'écraser un l'autre. Là. Je ne sais pas qui a pris précédence, mais je devine qu'ils vont, ils vont s'annuler un l'autre éventuellement. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va spécifier qu'est-ce qu'on applique comme Ansible.
comme rôle, pardon. Et une fois que c'est fait, ben, je m'en viens sur ma machine. Je reviens sur ma machine. Je pense que j'aurais pu juste reculer là. Et pour exécuter les playbooks, il n'y a pas de daemon avec Ansible. Fait que pas comme, c'est pas comme Puppet. Puppet est un daemon, fait qu'on n'a pas besoin de l'exécuter. Mais au niveau d'Ansible, il faut l'exécuter. Donc si je le roule, je vais juste vous montrer la fenêtre. Ça ne fonctionnera pas parce que la machine n'est pas ouverte. La machine virtuelle, si j'en ouvre un autre, c'est sûr que je gèle mon système total. La mémoire est saturée au maximum en ce moment. Je suis quand même très content de voir que ça tient la route. Donc on peut voir en temps réel qu'est-ce qui se passe sur la machine. Donc là, il essaie de rejoindre probablement la machine, mais il n'est pas capable. Donc on va avoir une erreur dans quelques instants. Si je clique ici, là, je vais avoir vraiment en temps réel les commandes Ansible qui sont roulées ici. Donc je n'avais pas fait de test encore, là, mais je sur une machine qui est éteinte, mais on dirait qu'il y a un petit peu de misère en ce moment. Ah non, okay, on le voit ici. Donc on peut voir là, que c'est en fait le playbook qui roule. Donc, je vois encore une fois en temps réel, ce qui est super le fun. Et je vois qu'il n'a pas été capable de se connecter. Je vais vous montrer maintenant des runs qui se sont bien passés dans l'historique. Encore une fois, satellite très bon pour ça. Regarde l'historique de ce qui s'est passé. Donc, on a très bien intégré ici. Donc, si je vais dans Report, qui est juste ici, regardez bien ce que vous allez voir. Je pense que vous allez aimer ça. Donc, je vois maintenant tout ce qui a été roulé comme Puppet, tout ce qui a été roulé comme Ansible. Puis ce qui est le fun, on l'a très bien identifié. Là. Donc, on est capable de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et qui est responsable des opérations qui ont fait le changement. Donc, super le fun. Je vous dirais, pas une déception, mais il y a un endroit où on ne peut pas utiliser Ansible aujourd'hui avec Satellite. Pour ceux qui utilisent, je vous montre ça dans... Pour ça, tout le monde utilise les Content View. Hein, c'est l'endroit qu'on définit qu'est-ce qu'on veut publier à nos machines. Donc, malheureusement, on n'a pas intégré la gestion des Content View avec Ansible. Donc, ce que vous allez rendre disponible à Ansible, c'est vraiment ce qui est téléchargé sur votre serveur satellite. On n'a pas de gestion de révision comme on fait avec les Content View. Inquiétez-vous pas, c'est sur le roadmap. À court terme, je pense que c'est juste une question de timing, de cédule, de développement. On n'a pas réussi à livrer quelque chose de fonctionnel pour la livraison de 6.4. Peut-être qu'on va le voir apparaître dans 6.4.1, 6.4.2. Je n'ai pas de détails sur ça, mais ça s'en vient. Reste que ça n'empêche pas que c'est fonctionnel. C'est juste que les gens qui sont habitués des Content View, qui publient des versions spécifiques, par exemple, avec des Puppet modules, on peut spécifier une version spécifique d'un module Puppet. Donc, on ne peut juste pas le faire avec Ansible pour l'instant. OK. Est-ce qu'on a des questions à part ça? Eric, as-tu d'autres choses à rajouter sur Satellite 6? Ah oui, tu en as parlé tantôt, là, mais dans les notifications, là, on ne le voit pas. Malheureusement, il n'y en a pas, là, mais il y a des petites notifications qui sont apparues depuis 6.3. On avait des notifications au système. Maintenant, ce qu'on a rajouté aussi, il va y avoir, quand il y a des nouvelles sur Satellite qui sortent, vous allez avoir une notification aussi. C'est ça que tu disais, je pense, Eric, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un gadget. Oui, c'est un gadget. Je pense que c'est intéressant. Ça, pour se tenir à jour, tu n'as pas besoin de regarder à 50 places. Tout ce qui concerne Satellite va apparaître sur le Satellite. C'est intéressant. Donc, c'est bien. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer du côté Satellite 6. On fait le tour quand même assez rapidement. On reviendra peut-être sur Satellite 6 s'il y a de la demande, 6.4, lorsqu'il va sortir officiellement, parce qu'on est juste en bêta pour l'instant. Je regarde s'il y a d'autres choses. Ah oui, je ne sais pas si tu l'as mentionné, Eric. C'est pas une feature qu'on voit dans l'interface de Satellite, mais c'est quelque chose qui était demandé beaucoup. Les capsules en mode load balancé. Donc, c'est officiellement supporté. Je sais qu'il y a des clients qui avaient demandé ça pour la haute disponibilité. Là. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté intéressante. Je regarde l'heure, 1h05, presque 5. Eric, toi, as-tu une limitation? Faut-tu que tu nous quittes un petit peu plus tôt? Ou si je continue un petit 5-10 minutes, puis on finit avec Tower? Ouais, non, ça me convient. Ça va? Okay. C'est correct, ouais. Donc, il me resterait à vous montrer très rapidement Tower. On va faire le même concept que tantôt. Je vais arrêter ma machine satellite. J'espère que ce ne sera pas trop long. Et on va... je vais partir ma machine Tower. J'avais pensé mettre ça dans le cloud, mais Satellite 6 dans le cloud, je vais avoir une belle facture avec la grosseur du disque. Donc, j'avais de la place dans mon laptop. J'ai dit, tiens, on va la mettre dans le laptop quand même. Sinon, si on va Tower, c'est presque terminé.
On peut peut-être parler des nouveautés pendant que ça, le tout s'arrête et que Tower se démarre. Eric, je te laisse-tu parler un petit peu de Tower pendant que je. Je sais pas si tu as eu la chance de regarder de ton bord, là. Ouais, ben j'ai en fait j'ai pas autant de détails qu'avec Satellite. Ouais. J'étais moins impliqué. By the way, je sais que présentement il y a un expert satellite qui nous écoute. Je veux dire bonjour à Christian. Ah oui, C'est Christian, là, c'est le le temps Christian. ouais, c'est le temps de poser les bonnes questions si on en Oui, a. rappelle-moi, tu connais-tu le rôle de Christian? Christian est basé à Montréal, il est quand même dans la BU de Satellite, mais je me souviens pas son rôle. Je sais pas s'il est en ligne, il peut peut-être le taper dans le chat, là, mais tu te souviens-tu de Ben, son rôle, là, Christian? Christian, il était pendant un certain temps dans le support. Il vient toujours de changer de rôle, fait que non, Ok, ok. j'ai pas son rôle. Mais Christian, si tu veux nous informer, ça fait plaisir. Excuse-nous, c'était pas prévu, mais Non, non, des non, c'était fois, du ça tout prend pas prévu. Mais l'avantage, tu sais. c'est ça le live. Hein? Puis écoute, si Christian, t'es là, t'écoutes. Écoute, si jamais tu veux être un invité à mon émission, tu seras le bienvenu. Je pense que ce serait apprécié. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça te parler. J'en profite pour lui dire merci parce que c'est une des mes bonnes, un de mes bons contacts, une bonne ressource Oui, qui est effectivement. appréciée. Puis Effectivement. son rôle, en fait, c'est product lead. Ok. Donc, Ok. Excellent. Maintenant, ben c'est ça t'as. pour. Oui, Si vas-y. tu veux, je reviens à Oui. Tower. Je pense que le point majeur avec 3.3, c'est que c'est en conteneur maintenant. Il y a encore la possibilité de l'installer en RPM comme précédemment, mais je pense que l'installer en conteneur, c'est un gros avantage. Ah, effectivement, regarde, je te confirme, ça s'installe encore à la bonne vieille méthode, la bonne ancienne méthode qui est des Ansible Playbook qu'on lance sur une machine réelle. Je l'ai faite, c'est comme ça que je l'ai installé, c'est comme ça que je vais vous montrer dans quelques instants. Je voulais en faire une démo sur OpenShift, mais malheureusement, on a eu des petits troubles de documentation hier. On a relâché le produit, puis il manquait les Playbooks sur GitHub pour en faire le déploiement. Fait que j'ai manqué de temps un petit peu, mais je vais revenir avec ça dans un prochain épisode. Vous montrer comment installer et opérer Tower sur OpenShift. Moi, je pense qu'il est vraiment cool de ça. C'est que maintenant, Tower va auto-scaler à l'aide d'OpenShift. Donc, si votre Tower est écrasé, Tower va prendre les capacités d'OpenShift, c'est-à-dire l'auto-scaling marche très bien sur OpenShift. Donc, on va auto-scaler plusieurs Tower. Pour ceux qui ont essayé OpenShift, là, lorsqu'on a un container qui est démarré avec les petites flèches, on peut donner plus de containers. Donc, on peut faire la même chose avec Tower. Et ce qui est le fun, c'est qu'on semble avoir fait le lien au niveau du clustering de Tower pour automatiser l'intégration de ces nouveaux nœuds-là qui sont lancés dans OpenShift. Donc, je pense que les gens qui ont des gros setups de Tower vont aimer ça. Je vois Luigi qui nous pose la question, HA for Tower. Non, j'ai rien vu dans ça. À ce niveau-là. En fait, c'est pas du HA, c'est vraiment du clustering, là, dans le sens que si on a besoin de plus de puissance, on est capable d'en rajouter, mais j'ai pas testé, j'ai pas creusé ça non plus. Tower 3.3 est sorti mercredi, ce mercredi, donc c'est très très chaud. Donc je vous montre ça, tiens, à l'écran. Donc Tower. En fait, j'ai fait une mise à jour. Je suis passé de Tower 3.2 à 3.3 et ça s'est super bien passé. Aucune erreur. Ça s'est installé en quelques minutes. Donc, encore une fois, un petit rafraîchissement de l'interface pour ceux qui suivaient un petit peu ce qui se faisait avec AWX. On a ce même, en fait, c'est pratiquement le même menu, mais ça a été retravaillé, comme vous pouvez voir, beaucoup plus peaufiné. J'aime encore la structure à gauche, un peu comme cette ellipse avec des icônes. Donc, on est allé chercher le modèle Patternfly encore une fois. Donc, ça, c'est une des grosses nouveautés avec la mise en container. Ce qu'on a fait aussi, lorsque vous allez voir vos job templates, donc pour ceux qui connaissent, là, je me cherche un petit peu, là, mes templates sont ici. Donc, je ne suis pas habitué à la nouvelle interface. Ça a changé. Ici, on a un petit peu plus d'informations sur nos templates au lieu d'avoir juste le nom. Bon, on est capable de voir dans quel inventaire les templates s'appliquent, sur quel projet, les credentials qui sont utilisés. Et si je lance, par exemple, une job ici, vous allez voir, on a raffiné un petit peu aussi l'interface de l'exécution des playbooks. On va créer une VM réelle sur Amazon. Donc, je lance
Je lance le job template ici, c'est pas un playbook. Donc je fais un test Twitch. Et je lance ça. Donc on a résumé, on n'avait pas ça avant, mais on a un résumé du run ici, sur quel inventaire ça va s'impliquer, c'est quoi les paramètres qui vont être passés, et je le lance. Donc c'est bien. Des petits ajouts comme ça qui ont été faits. Sinon, au niveau du clustering aussi, on peut maintenant, si vous avez plusieurs nœuds en cluster tower, grâce probablement à OpenShift, là, on peut injecter des nœuds et en enlever on the fly, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, juste voir, vous voyez un petit peu, là, ça a été raffiné l'interface. Je dirais qu'il n'y a pas de gros changements ici. Là. Le changement, on va le voir dans quelques instants, là, c'est au niveau des fontes lorsqu'on exécute un job. Donc, c'est pas les mêmes fontes. En tout cas, moi, je l'ai remarqué, là, mais, parce que je l'utilise beaucoup Tower. J'ai remarqué qu'il y a un changement au niveau des fontes. Donc, on voit là, que le playbook s'exécute. Donc, je suis en train de provisionner une VM sur Amazon. Donc, ça prend une trentaine de secondes. Donc, c'est en gros, là, je dirais, c'est les grosses nouveautés de Tower. C'est une version mineure. C'est pas un gros changement, mais c'est quand même une bonne amélioration. Le fait de pouvoir le rouler en container sur OpenShift, c'est quelque chose de quand même assez attendu. Luigi, tantôt, nous demandait si Satellite allait être mis en container. Je pense que c'est quand même un gros produit, mais peut-être Christian la répond. Je sais pas, Eric, si tu as posé la question à Christian tantôt, là, mais... Moi, oui, en fait, j'ai eu Christian m'a répondu. C'est pas quelque chose qui est dans les plans. Okay. En fait, c'est des questions qu'on avait déjà posées. Là. C'est un nouveau produit qu'on se demande toujours s'il va être en container. C'est des questions qu'on a déjà eues par les clients avant aussi. C'est pas dans le roadmap, c'est pas quelque chose, c'est pas dans les plans à court terme pour Satellite-là. Excellent, excellent. Donc, c'est ce que j'avais vous montré pour Tower. Encore là, on est allé vite. Je vous ai montré, prenant en compte que vous connaissez déjà Tower, mais je devine que c'est peut-être plusieurs d'entre vous qui ne le connaissaient pas. Peut-être qu'il y a une autre émission, comme on passera un petit peu plus de temps sur Satellite 6.4, on passera peut-être plus de temps sur Tower, prendre le temps de faire le tour comme il faut de Tower. Super produit, c'est une belle valeur ajoutée par-dessus ceux qui, si vous êtes, par l'exécution pour ceux qui utilisent, voyons, j'ai de la misère, c'est vendredi. Donc, pour ceux qui utilisent Ansible, c'est une belle valeur ajoutée par-dessus. Beaucoup de fonctionnalités qui sont ajoutées intéressantes, beaucoup de fonctionnalités de sécurité, d'auditing. Vous voyez le dashboard qui est fourni, le single push button pour déployer un playbook. Donc, super le fun. Aussi l'API qui est très intéressant. On transforme tous les playbooks en call API. En fait, on est capable d'appeler au travers un REST API l'exécution d'un playbook. Donc, c'est super le fun. Eric, utilises-tu Tower personnellement? Pas personnellement, non. Mauvaise réponse. Je suis désolé, mais je l'utilise juste pour tester des fois, mais sinon, pas pour mes labs, non. C'est pas... Parce que il y a beaucoup d'avantages, il y a vraiment beaucoup d'avantages, surtout au niveau industriel, mais pour moi... Moi, ce que j'aime bien, là, au niveau, je te dirais, personnel, là, pour niveau entreprise, là, c'est le scheduler qui est là. Donc, quand je veux, au lieu de lancer mes tâches manuelles, on peut toujours faire une tâche chrome, vous allez dire, mais ce qui est le fun avec Tower, c'est qu'on a un visuel. Après ça, est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Je peux aller consulter les logs, tout ça. Ce qu'on n'a pas, on fait ça avec une tâche chrome. Bon, on pourrait l'envoyer d'un fichier texte, là, mais... moi, je l'utilise beaucoup pour ça. J'ai une couple de tâches qui roulent, entre autres pour updater mon Fedora. Là, c'est une cédule qui roule. Le matin, je me lève, puis ça roule, puis j'ai pas à me soucier de ça. Puis Satellite, Tower, c'est un produit qui est bien intégré aussi avec Satellite. Oui, absolument. Il y a une intégration qui est faite. Honnêtement, ça va être bien avec GitHub. Il y a vraiment beaucoup de... Oui. C'est un beau produit. C'est un très beau produit. Oui. Excellent. Donc, on a fait le tour, Eric, de ce qu'on voulait couvrir ensemble. Est-ce que tu as aimé ta première expérience sur Twitch? Oui, merci, Michael. Merci encore. C'était bien plaisant. Oui, c'était le fun. Puis écoute, j'espère que tu vas revenir. On essaiera de couvrir des choses sur lesquelles c'était ta spécialité dans des prochains épisodes. Si tu veux revenir, tu es toujours le bienvenu. Et peut-être pour finir, pour ceux qui sont encore avec nous, vous parlez un petit peu, j'ai une nouvelle section, je me suis dit, tiens, au lieu de finir sec, là, c'est fini, on s'en va, c'est la fin de semaine, vous parlez un petit peu de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. En fait, j'ai un document sur Google Docs
À chaque fois que je trouve de quoi d'intéressant sur Reddit, sur Twitter, je mets ça dans ce document-là. Je me dis, hey, ça serait cool de présenter ça sur Twitch. Donc, ce qui fait que ça m'aide à me structurer pour les prochaines semaines. Toujours le fun de savoir d'avance un petit peu ce qu'on va parler pour bien se préparer. Donc, je vous ai parlé d'un autre invité qui devait aussi se joindre cette semaine. Malheureusement, il y a eu un petit empêchement, mais il est toujours partant à venir parler avec vous. Peut-être vous connaissez, il s'appelle David Moreau-Simard. David est dans l'équipe OpenShift Dedicated. C'est lui qui s'occupe des opérations d'OpenShift Dedicated. Dans le passé, Eric était dans l'équipe. David était dans l'équipe OpenStack aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses super le fun à venir partager avec vous. Donc, on va l'avoir avec nous éventuellement dans les prochaines semaines. REL 8. Éventuellement, on va pouvoir en parler. Pour l'instant, on est sous silence. On ne peut pas parler de ce qu'on fait avec REL 8, qu'est-ce qui est développé. Mais on travaille activement sur REL 8 en ce moment. Dès que j'ai le go, dès que je peux en parler, là, j'attends ça, je suis ça de près en passant, là, je participe au meeting. Eric, je ne sais pas si tu es allé sur des meetings internes sur REL 8, mais je participe au meeting, j'ai super hâte d'en parler avec tout le monde, mais pour l'instant, c'est secret. Donc, on en parlera éventuellement. J'ai des demandes aussi pour parler de CoreOS. Qu'est-ce qu'on fait avec CoreOS? Vers où ça en va? Comment ça va se patenter avec OpenShift? Oui, j'aimerais ça vous en parler. C'est pas ma spécialité. J'aimerais ça passer un petit peu plus de temps sur CoreOS. Je vais peut-être avoir un invité qui va venir nous en parler. Je travaille sur ça en ce moment. Vous parlez de Silverblue. J'en ai déjà parlé un petit peu, le Fedora Atomic pour le desktop. Donc, c'est une nouvelle façon de gérer son desktop. Notre desktop est rendu maintenant. Tout ce qu'on installe est des containers. Donc, ça pourrait être le fun de revisiter ça dans les prochaines semaines. Il faut même parler de Flatpak. Flatpak qui est utilisé aussi dans le projet Silverblue. C'est pour installer des paquetages, un format universel en distribution Linux. Donc, j'ai dans les plans de prendre du temps avec vous. Et on a Podman aussi qui fait de plus en plus de bruit, l'espèce de remplaçant à Docker. Docker beaucoup plus léger. Donc, j'ai pas eu la chance beaucoup de jouer avec Podman. Quand on a mis un petit peu plus d'efforts sur Podman, ça me fait plaisir de vous en parler. Donc, merci encore une fois à ceux et celles qui ont été avec nous aujourd'hui. Merci à ceux qui ont posé des questions. C'est super le fun. Ça fait plus dynamique comme présentation. Et on se dit dans deux semaines. Eric, bon week-end. Je ne sais pas si tu vas plonger en fin de semaine. Ils sont super beaux. Moi, je m'en vais en vélo de montagne en fin de semaine encore une fois. on va aux pommes en fin de semaine. On va aux pommes? Bon, c'est bien. On va aux pommes. Parfait. Alors, merci. Bye tout le monde. Bye tout le monde.